est ravi de recevoir l'UPE dans le cadre du programme de Make the Choice. C'est une journée de team building nautique dans lequel on va essayer tout au long de la journée avec nos coachs de faire le lien entre le monde de l'entreprise et le monde de la voile. À l'intérieur d'un bateau, il se passe pas mal de choses. Des relations humaines, des prises de décision, du leadership. Nos coachs travaillent avec les coachs de Make the Choice, avec les partenaires et les entreprises qui sont accompagnées, afin de se rendre compte en fait et faire émerger peut-être des soft skills. Après cette matinée avec le vent qui était plutôt tranquille, on s'attend à une après-midi qui va être un peu plus sport. On espère que cette journée aura rempli sa mission. Bonjour, je suis Lisa Malcotti. Je représente l'entreprise Imerys, qui est partenaire privilège de Make the Choice pour la troisième année. Et on est aujourd'hui en team building entre Marseille et le Frioul. Ça me permet, moi, de découvrir ces jeunes entrepreneurs avec un œil différent. Donc ce matin, on était avec un skipper qui nous a appris à naviguer. On a occupé les différents postes et là, cet après-midi, on va embarquer pour une régate que le meilleur gagne. Mais ce qui compte, c'est d'apprendre, de progresser, d'apprendre à se connaître et puis d'avoir une autre idée du management pour moi. C'est une belle journée avec Make the Choice. Bonjour, François Richard. Je suis de la métropole Aix-Marseille qui est partenaire premium de Make the Choice. Ce que je retiens aujourd'hui de cette première matinée, c'est surtout une cohésion d'équipe, cet échange perpétuel qu'il y a entre les coéquipiers. C'était vraiment très enrichissant et j'ai hâte de mettre ça cet après-midi en pratique lors de la régate. J'ai eu la chance d'embarquer avec notre prix coup de cœur, qui est le bec éloquent, Omar, et ça m'a permis d'en savoir un petit peu plus sur lui, ses motivations et sa vision de son entreprise, notamment pour l'aider à développer son réseau, puisque c'est un des paramètres qu'on va essayer de travailler ensemble.